Salut les amis, c'est Xorus, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier conte de Noël, la nuit de Noël. Donc comme je vous avais dit au départ, nous allons lire les contes. Ce soir, Caroline est toute excitée car le Père Noël va bientôt passer. Nous sommes le 24 décembre au soir. Caroline met ses chaussons sur la cheminée, puis elle va se coucher. Le lendemain matin, vite, elle se lève et voit ses chaussons vides. Non, ce n'est pas un rêve, ses chaussons sont bien vides. Caroline a envie de pleurer. Pourtant, pendant cette année, elle a fait beaucoup d'efforts. Elle décide d'écrire au Père Noël. Cher Père Noël, je me demande pourquoi mes chaussons sont vides. Réponds-moi vite, je t'en prie. Signé Caroline. Une semaine plus tard, elle n'a toujours pas de réponse. Le 3 janvier, à 6h, elle se lève pour aller boire et voir le Père Noël en train de déposer des milliers de cadeaux sur le sapin. Elle entre et lui dit. Pourquoi n'es-tu pas venu le 25 décembre comme la tradition le dit si bien? Mais nous sommes le 25 décembre. Non, nous sommes le 3 janvier. Ah! Mais les reines se sont trompées. Ce sont eux qui m'avertissent lorsque c'est Noël. Père Noël, ne sois pas si triste. Essentiel, ce sont les cadeaux. Tu as raison, mais j'ai encore beaucoup de travail. À Noël prochain. Caroline se coucha le sourire aux lèvres. Et maintenant, tout est Noël, Caroline dit bonjour au Père Noël. Donc j'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut !